43. Merci à tous les autres. Vous avez terminé? Oui. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Vous aimez ce piano? Ouais. C'est comme conduire une Ferrari. Vous êtes habitué à quel genre de piano? Plutôt à une Ford Fiesta. Où est mon assistante? Elle a dû descendre faire de la monnaie pour mon pourboire. Alors vous êtes le livreur? Ouais. Les croissants de la dernière fois n'étaient pas frais. Les croissants? C'était pas moi. Mais vous devriez essayer nos bagels, je vous promets, ils sont irrésistibles. Mais je le dirai à mon patron pour vos croissants. Oui, s'il vous plaît. Et la prochaine fois que vous viendrez, jouez du Schubert. Vous voulez que je revienne jouer sur votre piano? Oui. D'accord. Je vous remercie. Je me présente, je m'appelle Charlie. N'approchez pas! Elena! Qu'est-ce que vous faites ici? Je parlais avec... Ce sont les appartements de Madame Latour. Je vous ai dit d'attendre dans l'entrée. Je vous demande pardon. Désolé. Tenez, prenez 10 dollars. Merci. Je voulais pas. Désolé. Ouais, bonjour. Ça va, les affaires? Edith, vous avez pas besoin d'un pianiste? On a déjà Joe. Ça doit lui arriver de prendre des vacances? Pas depuis 30 ans. D'accord. T'as vu qu'ils ont lancé un concours de pâtisserie? Hey! Ça y est, le revoilà enfin. Salut, alors ça va? Comment va la vieille chauve-souris? En fait, elle était pas contente, elle a trouvé ses croissants rassis. N'importe quoi, elle est sortie de sa grotte pour te dire ça? Non, tu l'as déjà vue, toi? Personne ne l'a jamais vue. Charlie, on va jouer au basket après le boulot. Tu viens? Je dois jouer du piano. Quand est-ce que tu vis un peu? Ah, le piano, pour moi, c'est la vie. Salut! Ciao! Avec les autres produits, il faut lire une longue notice, c'est très fastidieux. Là, on peut s'en servir tout de suite. Vous n'aurez jamais eu un rasage aussi viril. Génial, vous avez fait le bon choix. Sortez votre carte de crédit. Salut. Merci. Je t'ai apporté ça. Un bretzel. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu pourrais me remplacer demain? Je dois passer une audition. Quoi, encore une? Ça s'est passé comment aujourd'hui? J'ai été éliminée. Le boss. Allô, Madame Parker. Ici Barlow Bennett, conseillère du Super Chef Club. Qui ça? Comment allez-vous? Comment vous avez eu mon numéro? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a raccroché. Forcément, vous ne lui avez même pas dit la phrase d'accroche. Elle a raccroché avant. Vous n'avez aucune excuse. Vous allez appeler quelqu'un d'autre tout de suite. Oui, monsieur. Ok, je peux te remplacer demain. Merci, Lewis. Cette fois, ils vont me prendre. Tu verras, je vais réussir. J'espère. Le télémarketing, c'est pas ton truc. Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Ici Charlie Knight. Vous m'avez demandé de rappeler? Pour un deuxième pianiste? Non, on ne cherche plus de pianiste. Ah. Je vous laisse mon numéro? Je l'ai déjà. Ok. Merci.
C'est par là. Il faut passer par l'entrée des artistes. Oh, ok, Cam, viens avec nous. On est hyper. Vous êtes le numéro 100. Merci. C'est un bon numéro. Ah oui? Ouais. Le numéro 100 est très déterminé. Indépendant et il a un potentiel illimité. Cool. Alors je prends. Et 5, 6, 7, 8. Je fais venir maintenant. Ouais. Notre metteur en scène et chorégraphe est Xander Riggs. On commence par 2 mois à Broadway avant une tournée internationale. Merci, au revoir. Xander ? Hey, ravi. Comment vas-tu ? Ah, bien, très bien, merci. On a déjà fait une première sélection. Ah. Est-ce que ma star est partante ? On négocie encore, mais on va finir par la convaincre. Bien. Et c'est qui cette star? Kayla Jordan. La chanteuse? Cool. Hey. Tu devrais retirer tes talons. C'est le contemporain d'abord. Mesdemoiselles, à vous. Veuillez mettre votre numéro bien en évidence. Ok, que tout le monde se trouve un partenaire. Samy ? Emma, tu veux bien m'aider ? Est-ce que... Tu veux qu'on danse tous les deux ? Bien sûr. On commence au début. Et 1, 2, 4. T'as besoin d'un partenaire ? Oui. Ok. Et tour. 3. 8. Et 1. Bien, la deuxième rangée. Bien. D'accord, le premier groupe, on y va. Les numéros 101, 142, 149, numéro 167 et 100, vous restez. Les garçons, faites une pause. Les filles, mettez vos talons. Numéro 101. Et numéro 172. Toutes les autres, je vous remercie d'être venus. Ok, c'est au groupe suivant. On est encore dans la course. Les danseuses. J'adore cet enchaînement. Bien. T'as pas été retenu? Faut croire que ce numéro ne m'a pas porté chance. C'est fou. Ouais. Okay. Je parie qu'il l'a même pas regardé. Ouais, c'est sûr. Vous pouvez regagner les vestiaires. Dernier groupe. Allez, c'est à vous. Tiens, ton café. Oh, merci, Peter. Et des petits chocolats. Oh. Bonne chance, merci. Tu as besoin de quelque chose, Zander? Arrêtez le playback, s'il vous plaît. Tout va bien? Numéro 100.
Je vous ai déjà éliminé, non? La réponse est oui. Pourquoi vous êtes encore là? Parce que je crois que vous ne m'avez pas bien vu. Vous avez raté votre pirouette. Je n'ai rien d'autre à voir. Alors je vais la refaire. Je réussis toujours mes pirouettes. Bien. Je revois le dernier groupe. Allez, mesdemoiselles, c'est parti! Je ne l'ai jamais vu, et toi? Moi non plus. Que les numéros suivants s'avancent. 86, 142, numéro 30, 193, 173, 126, 199, 167, 189, 163, 95, 148 et 177. Première rangée, merci beaucoup, mais on ne va pas pouvoir vous garder. La rangée du fond, toutes mes félicitations. Vous êtes dans la nouvelle troupe de Freedance. Génial! On a réussi! Les répétitions commencent lundi. Merci de ne pas changer la couleur de vos cheveux, de ne pas vous raser la tête ni de vous faire un nouveau tatouage. On vous a retenu pour votre talent et votre apparence. Alors ne touchez à rien. Je te l'avais dit, non? Hé, hey, t'as une urgence ou quoi? Je viens de décrocher un boulot. Je remplace au pied levé un pianiste. Il s'est entaillé la main. Je dois y être dans une demi-heure. Ça paye bien? C'est pas payé. Alors il est nul ton plan. Au moins, il y a des gens qui m'entendront jouer du piano. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a? J'arrive pas à croire que Xander ait dégagé la première rangée. Ça se fait jamais en audition. Lui, il fait rien comme les autres. Tiens, justement. Vous avez bien travaillé. Nous, on file. On a un spectacle ce soir. Bon, à lundi, tout le monde. Salut. À lundi. Numéro 100. Salut. J'ai trouvé ça drôlement courageux de vous présenter à nouveau tout à l'heure. Je voulais décrocher un rôle, alors j'ai tout fait pour. Oui, je m'en suis rendu compte. D'habitude, je n'aurais pas accepté, mais je reconnais que vous avez réussi à enchaîner vos trois pirouettes avec énormément d'élégance. Et en talons en plus. Je vous avais dit que c'était mon fort. Ouais, j'ai vu ça. Vous allez où? Je me disais que j'allais fêter ça. Me trouver une esthéticienne dans un quartier glauque pour me teindre les cheveux en bleu ou me faire tatouer le visage. Je vais vous déposer, venez. Allez, montez. Allô? On vient de finir. Ouais, ça a été long. Ah, au fait, vous allez où? À Washington Square. Ok. Est-ce que vous pouvez tourner à droite? Oh, c'est pas vrai! Je viens d'avoir un petit accident. Écoute, je te rappelle plus tard. Vous vous appelez comment? Charlie. Vous voulez qu'on aille à l'hôpital? Non, 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 je dois assurer un concert. Xander, vous le tenez? Et maintenant, je fais quoi? On n'a qu'à le déposer. Vous êtes Xander Reigns? Oui. Je voulais passer l'audition pour Freedance, mais on m'a pas laissé entrer. Ah, vous êtes danseur? Non, moi, en fait, je suis pianiste.
Ah, on en a déjà, je suis désolé. Asseyez-vous. Allez-y. Je fais quoi avec le vélo ? Mettez-le dans le coffre, on file. Mot de passe. On est venu accompagner Charlie. C'est qui Charlie ? Je suis le nouveau pianiste. Qui est le pianiste ? C'est moi. Vous êtes en retard. Désolé. Dépêchez-vous. Au revoir. Au revoir. Il est chouette ce bar. Ça vous dit de rester ? Oui. Par ici. On va y aller. Vous lisez la musique, non ? Ouais. Ok. Vous avez quoi au visage ? Hein ? Vous êtes blessé ? Ça va aller. Mesdames et messieurs, le Moxie est fier de vous présenter Keith Diamond et les Sugar Snaps. To cut the ties, my mind plays tricks, it's telling lies. I've seen this happen to other guys, but then she bats them big brown gorgeous eyes. I look away but just can't say what magic makes me wanna stay. No matter what I do, I can't get away. She locked me up in yesterday. Hypnotized by them dollar size, oh big brown eyes. She got me all twist up and agitized, mystified. She took me for a ride. Spinning webs ain't easy, guys. Can't jump ship after all those tries. I'm all shook up when she moves and dies. She got that my oh my, that gotta have her or I might die. She got me fucked on something I gotta buy. Je nous viens tout droit du Moulin Rouge. Et qu'est-ce qui se passe avec le piano? Un tout petit instant, je crois qu'il a perdu sa partition. Déposer en route. La soirée ne fait que commencer. Ouais.
Rachel ? Elle est partie ce matin. Vous avez 3 mois de loyer à payer. Non, attendez. Non, c'est impossible, voyons. J'ai payé tous les mois. Vous avez payé à qui ? À Rachel. Super coloc. Vous avez jusqu'à vendredi pour partir. J'ai décroché un rôle dans un spectacle. Je vais tout rembourser. J'ai déjà reloué l'appartement. T'as fait du bon boulot. Merci. Dis-moi, Billy, tu vas faire rejouer ce pianiste, j'espère. J'aimerais bien, mais le nôtre a rappelé. Et il peut reprendre demain. Ok. Mais bravo. Ok. Désolé. À une prochaine. On va diviser par 6. Merci. S'il vous plaît, vous repenserez à moi? Ouais. Vous inquiétez pas. Merci. À une prochaine. Vous avez de la monnaie sur un billet de 100? Oui. Tout l'espace. Vous devez aller jusqu'à l'autre bout de la salle. 1, 2, 4. C'est mieux, on continue. 7 et 8. Joli. Tu vas trop vite. 7, 6. Très bien. Le batteur, je te parle. T'es tout le temps en avance. Et 6. Barlow, il faut que tu traverses toute la salle. Ce qui ne sera possible que si le batteur arrête de jouer trop vite. 7 et 8. Non, stop, 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 stop! C'est quoi que tu comprends pas, Dan? T'es en avance. Je suis pas en avance. Non. Je te l'ai dit combien de fois aujourd'hui? Attendez, mais je rêve ou quoi? Murray, comment t'as trouvé le tempo? T'as pas trouvé qu'il te faisait courir, toi aussi? Ou alors c'est moi, j'en sais rien. Oh, il s'en va. Bien, hé, hey, t'oublies ça. Prends ton sac. Les danseurs, 5 minutes de pause. Bonjour. J'ai laissé votre livraison sur la table, alors je m'en vais. Je croyais que nous avions rendez-vous. J'ai pas eu le temps de travailler le morceau de Schubert. Quelle déception. Ouais, je sais. Désolé. Ne présentez pas vos excuses. Non, parce que je n'en ai pas. Ce comportement ne vous mènera à rien. Si vous ne savez pas jouer Schubert, vous auriez pu me proposer autre chose. Pour le moment, je n'ai pas de morceaux qui me viennent. J'ai des rayonnages entiers qui sont remplis de partitions ici. Xander, je te cherchais. Qu'est-ce qui s'est passé? Trouve-moi un autre batteur. Non. Quoi? C'est le premier jour. C'est normal, on est tous à cran. Donne-lui un peu de temps pour qu'il s'habitue, d'accord? Vous allez vous rabibocher et vous remettre aux répétitions. Non, ok, on ne travaillera plus ensemble. Je connais très bien ce genre de musicien. Il est toxique. Et son comportement prétentieux contaminerait tous les autres. C'est un poison. Il mettrait en péril tout notre show. Je peux savoir où est Ben? Je te l'ai dit, il est sur un autre spectacle jusqu'à la semaine prochaine. Dis-lui que s'il veut rester mon directeur musical, il doit rappliquer tout de suite et gérer la situation. S'il te plaît!
avec trop de rage. C'est ce que je ressens en ce moment. C'est destructeur comme émotion. Vous voulez que je joue comment? Avec passion. Cela ouvre plus de possibilités. Vous voulez me jouer le morceau? Non, je ne peux plus. Pourquoi? Mes mains sont trop vieilles aujourd'hui. Je suis désolé. Ça doit être terrible. Oui, c'est terrible. Vous êtes en colère parce que vous êtes jeune et talentueux et vous gâchez vos journées à livrer de la nourriture. Vous devriez remédier à ça. J'espère que le spectacle ne va pas être annulé avant la première. C'est déjà arrivé? Dans ce business, tout peut arriver. Ta coloc a eu le boulot sur le bateau de croisière, finalement? Ouais. Pourquoi? Tu voudrais louer sa chambre? Non. Je pense que j'aurais dû postuler aussi. Hé, moi, je cherchais une chambre. Ben! Je te remercie vraiment d'être venu. Merci. Tu me remercieras plus tard. Les musiciens ne reviendront pas. Aucun des deux? Bien sûr que non. Ils étaient copains. Ok. Ok. Bon, alors on va répéter sans eux. Laisse-moi passer quelques coups de fil. T'inquiète, ça va le faire. D'accord. Ok. Bon. Je reviens. Maman? Je reste sur le paillasson. S'il te plaît, cache ta joie de voir ta mère. Je suis désolée, mais je m'attendais pas à ce que tu viennes. Si tu relevais tes messages sur ton téléphone, tu l'aurais su. J'étais en répétition. Oh, quelle répétition? J'allais t'en parler. Tu sais, j'avais besoin d'un peu de recul après notre dernière conversation. Si on peut appeler ça une conversation. Tu as décidé de ne plus me parler. Ah, eh bien, j'en sais rien. Te parler de quoi? J'ai réussi une audition de danse pour un spectacle que tu vas détester et je me suis fait virer de cet appartement parce que ma coloc m'a arnaqué, exactement comme tu avais dit qu'elle le ferait. Alors, je sens déjà que tu vas me dire « Mais enfin, ma chérie, je t'avais pourtant prévenue !» C'est quel spectacle? Free Dance, la tournée mondiale. Tu seras la vedette. Il n'y a qu'un seul grand rôle et il cherche quelqu'un de célèbre. Tu es dans les ensembles alors? Oui, mais le chorégraphe est Xander Reyes. Je connais très bien ce show. Ah, bien sûr, parce que tu sais tout, de toute façon. Quoi qu'il en soit, je sais ce qui est bien pour toi. Ce n'est pas la mère qui parle ici, mais la professeure de danse. Tu sais que je pourrais te faire intégrer à un ballet classique dans lequel tu te ferais un nom. Ensuite, tu serais invité dans d'autres troupes, tu deviendrais chorégraphe, tu enseignerais. Au moins, tu aurais une carrière solide. On ne danse que quelques années, tu ne seras pas jeune longtemps. Tu peux me croire. Je ne veux pas avoir ta carrière! C'était ton rêve. Free Dance, c'est le mien. Tu gâches ton talent. C'est faux! Il faut juste que quelqu'un me donne ma chance. On ne te la donnera jamais. Les danseurs d'ensemble n'ont pas d'évolution de carrière. Ils ne sont jamais sur le devant de la scène. Tu as déjà trouvé un nouvel appartement où t'installer? J'ai une piste. Tu peux revenir à la maison, si tu veux. Merci. Je vais me débrouiller. S'il te plaît, envoie-moi ta nouvelle adresse. D'accord. Thinking about a lot of things. Every day is something new though. I'm zoning, my mind is in outer space. Brain is chilling on Pluto. Cause I'm trying to keep it occupied all the time. Forget about all of the stress I'm facing. Take a look at me, I'm elevated. So that negativity de-escalated. Every single minute I've been living, I sit and I wonder what fame is like. I'm feeling like Kid Cudi cause I'm cutting up records every single day and night. Got no time to focus on a hater. Gotta flex on them like Schwarzenegger. T'as trouvé un pianiste? Nick Levy dit qu'il est disponible. Ooh, ooh, hope.
Non, non, c'est pas ce qu'on cherche. Ok, bienvenue. Alors, tu vois, lui, c'est notre batteur. I just stuck to the mission, yeah. When they see you doing great, then they wanna come kick it with you. I just push them to the side and continue to go and pursue my vision. Cause I know one of these days I'ma level up on my hate instead of doing dishes. Xander, la livraison. T'as fait une commande? Non. Chez le traiteur. C'est lui que j'ai renversé en voiture vendredi. Oh mince. Salut Xander. Salut. Qu'est-ce que c'est? Des bagels, offerts par ma direction. Ah, bien, c'est gentil. Alors, vous vous sentez comment? Oh, ça va, c'est bon, j'ai plus mal. Vous voyez, on est en pleine répétition de danse. Alors, merci pour les bagels. L'argent que je vous ai laissé a suffi pour réparer votre vélo? Ah, oui, pas de souci. Bien. Bien. Mais si vous voulez, vous pouvez me rendre un petit service. C'est parti. Je veux passer une audition. Oui, en fait, vous voyez, on va prendre un pianiste professionnel. Ne le prenez pas mal, mais... Je peux essayer. Je vais jouer devant vous tout de suite, et si ça vous plaît pas, je vous laisse tranquille. Bon, écoutez, Charlie, je vous ai entendu jouer au Moxie. Vous étiez au téléphone. Il a été épatant. Ok, bon. La partition est sur le piano. Vous avez 2 minutes pour m'impressionner. Ok, merci. Alors, vous allez commencer par le deuxième mouvement du premier acte, s'il vous plaît. Merci, à bientôt. À la prochaine. Salut. Charlie. Barlow. Alors, ils t'ont engagé? Ouais. Oh, génial, je suis trop contente pour toi. Ta tête, comment ça va en fait? Juste là, j'ai la tête qui tourne. Mm. Ouais, je vais démissionner de mon job. Ça fait plaisir, hein? Ouais. Merci de m'avoir soutenu. Oh, de rien. T'attends peut-être Xander, c'est ça? J'attends Paloma et Kiki, je vais peut-être aller habiter avec elles. Oh, cool. Alors, t'es prête? Oui. Très bien joué, maestro. Merci. Bon, eh ben, on se revoit demain, alors. Ouais, c'est ça. À demain. T'auras quelque chose à manger? Attends déjà que t'as du plaisir. Au revoir. Elle est à la Juilliard School. Oh. Ouais. Elle répète beaucoup. Hé, Barlow va peut-être louer la chambre de Tina. Oui. En plus, elle est hyper douée. Je suis sûre qu'elle va avoir une grande carrière. Oui? Madame Latour, c'est Charlie. Charlie? C'est pourquoi? J'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai un nouveau job. On m'a pris comme pianiste. Dans un spectacle qui s'appelle Free Dance. La première sera à Broadway. Oh, c'est formidable. Je savais que vous comprendriez ce que ça signifie. Un boulot comme ça, c'est pas alimentaire. C'est ma vie. Oui. Bon... Je suis aussi passé pour vous dire que vous m'avez motivé pour y arriver, alors, voilà,
Au revoir. Ok, Ava. Maintenant, c'est notre tour. Tu reprends ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok. Oh, ravi. On était en train de... T'as l'air contrarié. Ma femme m'organise un anniversaire surprise. C'est super, mais alors c'est plus une surprise. Tu l'as su comment? Elle peut pas tenir sa langue. Ce sera une super production, ça va me coûter un bras avec ce que je gagne. Oh, Barlow, je peux te voir une seconde? Merci d'avoir été aussi attentif, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai besoin de quelqu'un pour répéter le rôle que jouera Kayla. Kayla Jordan? Ouais. Ravi, t'as une minute? Elle vient de signer. On a besoin d'elle pour faire venir des spectateurs. Oui, oui, je sais. Mais ça, c'est ton boulot, Ravi. C'est toi le producteur. Oui, oui, bien sûr. D'abord, tu vas retirer ton pull, s'il te plaît. Sammy, on va répéter avec Barlow. Elle remplacera Kayla. Comme tu veux. Tu peux la porter? Ouais, comme ça. C'est ça, ouais. Non, non, je vais te montrer. Ok. Bon, attends. Mets-toi en face. Ouais. Regarde bien. Ok. Vers le sol comme s'il t'attirait. Tourne, tourne. Ok, tu t'en rappelleras? Oui. Tu crois que Kayla a le niveau pour ça? J'espère que oui. Moi aussi. Tu notes tout ça, d'accord? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je l'aidais à répéter le rôle de Kayla Jordan. Quoi? Non, je rêve. Kayla Jordan? T'es prêt? Ouais. Bon. Écoute, c'est quoi la mélodie que tu viens de jouer? Non, rien de spécial, j'improvisais. C'était un air original, c'est chouette.
Ça t'a plu? Ouais. Tu peux t'en servir si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Merci, Charlie. Ok, tout le monde. L'enchaînement de hip-hop. Barlow, tu reprends ta place avec les autres dans le corps de ballet. En place. On y va. 6, 7, 8. C'est Charlie. Madame Latour? Oui, Charlie. Je vous ai apporté des croissants de la boulangerie française. Oh, c'est très gentil. C'était ma dernière livraison, alors je voulais absolument que ce soit bon. Votre dernière livraison? Oui, j'ai commencé les répétitions, alors maintenant je vais arrêter de faire des livraisons. Donc c'est parti. Une vie de triomphe, de douleur, de joie, de chagrin immense. Je suis trop impatient. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes un artiste, la vie vous a choisi. Vous reviendrez jouer de temps en temps? J'apprécie beaucoup nos discussions. Vous ne croyez pas qu'il serait plus facile de discuter en face à face? Cela pose un gros problème. Pourquoi? J'ai toujours communiqué à travers ma musique. Maintenant que je ne joue plus, je ne suis pas très à l'aise avec les gens. Ah. C'est pas drôle, ça. Donc je vais devoir continuer ma relation fascinante avec la porte de votre bureau. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Sérieusement, j'ai fait exprès de bien m'habiller aujourd'hui. J'ai un gilet hyper stylé. Bonjour. Bonjour. Effectivement, votre gilet est hyper stylé. Je peux jouer quelque chose pour célébrer notre rencontre. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que vous avez déjà joué du piano préparé? Non. C'était avant-gardiste à mon époque. Je crois que j'ai un livre là-dessus, quelque part par ici. Allons voir, madame. Vous pouvez m'appeler Rose. D'accord. Attendez, je crois que c'est celui-ci. Thank you.
que Ravi a réussi à te joindre ? Oui, d'ailleurs, je vais lui parler. Tu peux continuer ? Ah, non, non, j'avais terminé. J'essayais juste une nouvelle boucle. C'était bien, tu sais. Ça les a drôlement impressionnés en salle de pause. C'est chouette. T'es sûr que je te dérange pas? J'ai l'impression d'avoir cassé ton inspiration. Ah, ça, laisse-moi te dire que c'est impossible. Oh. Et même, ça serait plutôt l'inverse. C'est toi qui m'inspire. C'est un morceau magnifique. C'est ce qu'on appelle un amplificateur émotionnel. Quand tu te sens mélancolique, t'es encore plus triste en l'écoutant. Quand t'es nostalgique, tu ressens encore plus le manque. Et toi, elle t'inspire quoi, cette musique ? Tes rêveries. Et toi, comment tu te sens ? Romantique. Salut, Ravi. Salut. Content de te revoir. J'ai déjà commandé pour toi. Ah, merci. Et qu'est-ce qu'on mange ? Du steak. Ah oui ? Et pour quelle occasion ? Kayla s'est désistée. Je pensais pas que t'allais m'annoncer ça. Après des heures de négociations et tant de chipotages sur des virgules ou des détails totalement insignifiants, elle démissionne. J'en crois pas mes oreilles. Son agent lui a trouvé un rôle dans un film, genre film d'horreur. Oh, elle fait une erreur monumentale. Ok, on l'oublie, parce qu'on n'a pas besoin d'elle. Si, il nous faut une vedette. La vedette, c'est la danse, c'est un nom sur l'affiche qui fait venir les gens. Tu vois la petite brune de la série qui se passe au Moyen-Âge ? Non, non. Elle a la cote et son agent m'a même approché. On pourrait la voir sans difficulté. C'est pas une danseuse. Et alors, tu crois vraiment que les gens feront la différence ? S'il te plaît. Le public veut juste voir des stars, c'est tout ce qui compte, tu le sais bien. Non, tu sous-estimes le public. Alors tu vas mettre ton propre argent et on en reparlera ensuite. On était d'accord depuis le début à propos de ça, souviens-toi, Ravi. Je ne ferai aucun compromis sur la qualité de la performance de la danseuse. T'as des super danseurs à côté. Le premier rôle, Ravi, doit être tenu par une grande danseuse. Tu peux modifier ta chorégraphie pour que ce soit moins dur. Ça veut dire abaisser le niveau. Oui, s'il le faut. Est-ce que tu t'es entendu ? Est-ce que tu t'es entendu ? Laisse-moi te dire que c'est la plus grosse connerie qui ait jamais sortie de ta bouche, Ravi ! Excuse-moi. Xander, s'il te plaît ! Xander ! Non, c'est bon, ok ? Je t'ai déjà dit. C'est ridicule de confier ça. Hé, hey, Paloma, est-ce que t'as vu Barlow ? Oui, elle est au costume. Super, merci. Salut. Salut. Quoi de neuf ? Pas grand-chose. Barlow ? Salut. Salut, j'avais un truc à te dire. Ah, ok. Désolé, je peux lui parler un instant ? Bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu seras à la hauteur du show ? Bien sûr. Il y a un problème ? Je veux dire, de l'ensemble du show ? C'est-à-dire, je vois pas à la hauteur de quoi. Kayla a renoncé. Je veux que tu tiennes son rôle. Quoi ? Oui, est-ce que tu crois que tu serais à la hauteur ? Oui, d'accord, mais... Hein ? Je croyais que Ravi voulait un grand nom. Oui, c'est juste, mais... Je finis par le convaincre. Ah.
suis désolée. C'est rien. Je suis très émue, c'est plus fort que moi. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Je sais que tu seras phénoménale. Ah oui, tu crois? Oui. Ils avaient plus de cappuccino, alors. T'es prête à te mettre au travail? Oui. Ok. Ça va? Merci. Ouais. De rien. S'il vous plaît, je dois vous parler. Je voulais vous annoncer que Kayla s'était désistée. C'est Barlow qui va reprendre son rôle dans le show. Barlow, je suis tellement content pour toi, c'est une bonne nouvelle. J'arrive toujours pas à le croire. C'est génial. Tu t'actives. Bras droit et tour complet, oui, comme ça. Très bien, Christy. C'est ton rôle à toi maintenant, Barlow. C'est magnifique. Ça va. Il y a des danseuses canons. Oh, je vois, ok. Elle s'appelle comment? Surtout, réponds pas. Non, j'ai pas envie d'en parler. Elle est déjà avec quelqu'un. D'accord. Salut. Salut. C'est quoi? Ravi va fêter son anniversaire et c'est une invitation. Cool. Oui, mais bon, c'est une soirée privée, il n'a pas invité les danseurs de la troupe. Oh. Mais toi, si. Mets quelque chose de coloré. Oh, t'es super jolie. Xander vient te chercher? Non, il a quelque chose avant. Je le rejoindrai là-bas. Il est très demandé. Ok, t'en penses quoi de ces chaussures? J'adorerais les porter. Xander, c'est toi qui as invité Barlow? Oui, mais c'était avant. J'ai besoin de ton aide, Ravi. Si tu as le temps de parler avec elle. Mais qu'est-ce que tu crois? Oui, je sais, mais enfin, c'était... Hey! Oh, salut! Bonsoir, Ravi. Bon anniversaire. Oh, merci. Waouh! Tu es vraiment ravissante, Barlow. Merci. Sois la bienvenue parmi nous. Monsieur, excusez-moi, je suis désolé. Je vous ai vu sortir du théâtre à l'entracte, vous n'y retournez pas? Non, je dois prendre l'avion et je suis en retard. Oh, super. Est-ce que vous pensez que je pourrais vous emprunter votre billet pour voir la fin? Emprunter? Ouais, enfin, la voir. C'est d'accord, après tout, comme ça, il sera pas gâché. C'est une bonne idée. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'y vais. Bonne soirée. Merci. Ouais. Je dois te dire quelque chose d'important. Ravi a repris les négociations avec l'agent de Kyle.
Kayla a signé le contrat. Elle reprend son rôle dans Freedance. Quand est-ce qu'il te l'a dit? À l'instant. Est-ce que Kayla sera à la répète? Tu sais quoi, ça m'est égal. Je la tuerais si je pouvais. Je déconne. Ou pas. Nous, on est avec toi. Vous êtes trop sympa. À tout à l'heure. Bonjour, Bardo. Salut. Je suis vraiment désolé pour le changement de rôle. Je voulais t'en parler la semaine dernière, mais Xander tenait à te l'annoncer. La semaine dernière, il le savait? Ouais. Je suis désolé. Non, t'as pas à l'être. Écoute, Xander ne voulait pas te faire de mal. C'est quelqu'un de très talentueux. Quand il est en phase de création, il n'y a la place pour rien d'autre dans son esprit. Il ne se rend pas compte qu'il peut être blessant. Et je ne dis pas ça pour chercher à l'excuser. Rien ne peut excuser un mensonge. Même le talent, aussi grand soit-il. Alors, j'imagine que vous savez tous qu'une grande vedette a accepté de rejoindre notre troupe. Vas-y, entre. La superbe, fabuleuse et talentueuse Kayla Jordan. Salut, mon chéri. Désolé, je transpire. Non, c'est rien. Merci à tous. Je suis si contente d'être parmi vous. Vous êtes tous magnifiques et je suis impatiente de vous voir danser. Super. Alors allons-y, Barlow. Viens. Barlow, j'aimerais que tu nous fasses la choré pour que Kayla découvre son rôle. Bien sûr. Bien. Ok, tout le monde, on va commencer juste avant le pas de deux, s'il vous plaît. Musique! Yeah.
dois tendre la jambe. Tu as fini avec moi ? Oui. On te retrouvera une place dans les ensembles demain. Essaie d'avoir plus d'envergure, tu vois ? Okay. Le reste est bien. Au revoir. Demain. C'est très bien ce que tu as fait. Merci. Ma star, on va manger un morceau et ensuite je te parle du reste du spectacle. Ouais, excellente idée. J'en ai pour quelques minutes. Prends ton temps. Ok. Allô, Barlow, c'est moi. À propos de la répète d'aujourd'hui, est-ce que tu peux m'appeler quand tu auras une seconde? Je t'invite à déjeuner demain. Salut. Ça a été une bonne journée, Charlie. Vraiment? Excuse-moi. Ça a vraiment été une bonne journée pour toi? Attends, il y a un problème ou quoi? Bien sûr, et tu le sais. Ça rime à quoi, cette mascarade avec Barlow? Tout le monde a repéré ton petit jeu avec elle. Tu crois que tout ça n'est qu'un jeu pour moi? Elle s'est mise à nu pour toi pendant la répétition. Et t'en as profité pour l'humilier. Devant tout le monde, en plus. Le boulot de Barlow était d'interpréter un personnage que j'ai inventé, et non d'y mettre ses propres intentions alors qu'il s'agit, je te le rappelle, de ma Corée. Elle a transgressé la règle, et je l'ai seulement recadrée. Ah, et bien entendu, toi, avec elle, tu n'as jamais transgressé aucune règle. Hein, Xander? Je pourrais te virer. Mais tu le feras pas. Parce que tu sais que j'ai raison. Ne me provoque pas! Je suis très sérieux. Je ferai tout ce qu'il faudra pour protéger mon spectacle. Est-ce que tu comprends? Les chorégraphes sont exigeants et ils sont capables d'être assez capricieux. La gestion du stress, ça fait aussi partie de ton boulot. Alors? Dans ce que tu as fait aujourd'hui, dis-moi ce que Xander a critiqué. Il a tout critiqué. Donne-moi un exemple. Il a dit que ma jambe n'était pas assez tendue sur mon plancher. Ok, montre-moi. Elle est parfaitement tendue. Il a dit quoi d'autre? Tu sais, j'ai repensé à ce que je t'ai dit l'autre soir.
L'idée n'était pas de critiquer ta carrière. Oui, je sais, j'avais compris. Maman, je suis vraiment fière de tout ce que tu as fait. Et tu es une prof extraordinaire. Je ne serais pas la danseuse que je suis si je n'avais pas suivi tes cours. Seule une poignée d'artistes est promise à l'excellence. Ça ne s'apprend pas, ce genre de choses. Tu es forte et tu as beaucoup de talent. Montre à tous ce que tu vaux. Prends le rôle que Xander te donnera, quel qu'il soit, et danse mieux que tous les autres. Ok. Ça va le faire. Ouais, c'est clair. On est canon. Parlo, dis-moi ce que tu penses. Non. Et s'il te plaît, je veux t'entendre dire que t'es canon. Ok. Je suis super canon. Je suis d'accord. Ah, salut. Salut. Pourquoi t'es dehors? Xander travaille avec Kayla et les techniciens. Ils n'ont pas besoin de nous avant 2 bonnes heures. Ah bon? Est-ce que je peux vous voler Barlo quelques instants? Okay. On trouvera comment s'occuper. Oui, c'est sûr. On est arrivé. Un magasin de musique? T'as besoin d'un instrument? Non, on va tester tes aptitudes musicales. Tu vas me faire jouer d'un instrument? Je suis pas douée, tu sais. Ah si, bien sûr. Tu le sais pas encore. De quoi? Tu le sais très bien. De m'avoir fait rire. Je l'ai pas fait exprès. Tu vois, j'ai passé un super moment. J'en avais vraiment besoin. Je suis content. Tiens, c'est Samy, ils sont prêts, ils nous attendent. Oh oh. Allons-y. Allons-y. Attention, nous voilà. Je peux pas courir plus vite en talent. On n'arrivera jamais à c'est temps. Bon, c'est bon, on t'inquiète. Va être en retard. On est dans les temps, ça va aller. Oh. Non, non, je dois y aller, s'il te plaît. Désolé. Vite, vite, vite. On retard à cause d'un ours, c'est génial. C'est bon, on y est. Est-ce que je peux te demander un truc? Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Xander et toi? Rien du tout. C'est fini. T'es sûr? Pourquoi? Alors, je me disais qu'on pourrait peut-être... Barlo? Salut. Tu peux nous laisser un instant, s'il te plaît? Salut. Est-ce que... T'as reçu mes messages? Oui. Alors t'as vu que je t'ai appelé très tard. Tu sais, j'arrête pas de penser à toi. Toutes les chorés que j'ai créées pour ce spectacle, c'est toi que j'ai visualisé.
crois vraiment que ça va me consoler? Non, mais... Écoute, en fait, c'est juste que j'ai besoin que le spectacle soit flamboyant, qu'il nous emporte tout. Moi aussi, c'est ce que je veux. Je suis sérieux. J'ai conscience que toute cette histoire avec Kayla, ça a été compliqué, mais le spectacle ne peut pas fonctionner sans ton énergie. Barlow, j'ai besoin que tu m'aides avec Kayla. D'accord. S'il te plaît, dis-moi que tu m'aideras. Oui, ok. Oui. Oui. Ok tout le monde, l'équipe technique est parmi nous aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à régler avant de répéter sur scène, alors concentrons-nous. Vous ne pensez pas qu'il faudrait prévoir... Ces câbles-là sont presque invisibles. Ça va le faire. Je vais te le montrer. Non, Charlie, tu vas suivre le rythme de Kayla. Voilà, je t'explique l'idée. Un immense cyclo sera tendu à l'acte 2. Bien. Ouais, mais hors de question qu'il fasse ça avec moi. N'envahissez pas l'espace des autres. Non, ne la touche pas, Charlie, non. C'est une muse, elle est inaccessible. À toi, Kayla. Ouais. Ok, on fait travailler les doublures. Emma, tu peux remplacer Sydney? Bien sûr. Salut. Je veux qu'il y ait des ventilateurs à l'avant-scène. Je préfère qu'on utilise des tons plus neutres, des bleus monochromes et des gris. C'est une bonne idée. Non, non, arrêtez. Je crois qu'il faudrait qu'on change la musique ici. J'ai une idée, je vais la jouer au piano préparé. Excellent, Charlie. Oh, qu'est-ce que ça sonne, j'adore, j'adore. Le piano préparé va revenir à la mode. Maintenant. Barlow, montre-lui, s'il te plaît. Elle est phénoménale. Je commence à voir ce que ça donnera. Un rayon de lumière va venir s'abattre sur Kayla. C'est ça! Here we go, yeah. Votre spectacle est très attendu à Broadway. Je suis confiant, mais je préfère voir comment va se passer la représentation de vendredi. Ah. Je te prends en flagrant délit devant le buffet. Non, on mange pas ce truc-là. Ah ouais? Je t'avais dit de prendre autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? J'en ai aucune idée. Ça, c'est pas risqué au moins. Ouais, t'as raison. Oh, oh. Oh, quelle horreur. Mon cerveau a failli se décrocher. Ça va aller? Ça se voit pas? Non, t'inquiète, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je trouve que t'as vraiment des dents magnifiques. Excusez-moi, on va faire une photo de groupe, s'il vous plaît. Ok. Merci. Des dents magnifiques, n'importe quoi. Oui, bien sûr. On va faire autre chose. Je veux qu'il y ait juste Kayla et le jeune homme dans le champ. Ouais. Sur les côtés, allons-y. C'est parfait. Regardez-vous bien dans les yeux face à face, oui. On dirait que Charlie s'amuse bien, voilà. Tu trouves pas? Kayla aussi. Ouais, elle n'en ferait qu'une bouchée. Alors que toi, tu sais lui tenir tête, n'est-ce pas? Oui, il faut bien. Je me suis mal comporté avec toi. C'est une façon de me demander pardon. Zonda, on va faire quelques photos. Allez. Oui, d'accord. Oui. On en reparle tout à l'heure. Vous voulez qu'on parte au théâtre pour quelle heure aujourd'hui? Je veux y être en avance. Vous me rejoindrez? Vous savez à côté de qui je serai assise? J'ai réussi à te caser avec le producteur, ça t'ira? Oh. Faudra pas déconner. Ok. Oh, Ava, c'est encore toi qui as pris toute l'eau chaude? C'est possible. Salut maman. Ma chérie. Je voulais te dire que ma remplaçante venait d'annuler pour ce soir. Impossible de trouver quelqu'un pour assurer mon cours au dernier moment. Oh. Il est trop tard pour que j'annule. C'est pas grave. Je voulais être là pour ta première ce soir. Fais pas maman. C'est rien. Tu viendras une autre fois. Tu en es sûre? Oui. Je sais que tu seras merveilleuse. Merci. Je t'aime, Barlow. Moi aussi, je t'aime. Ta mère peut pas être là? À
Allez, t'inquiète pas, moi je serai là et je vais t'applaudir. Par ici, les filles. Je vous adore. Je vous ai apporté quelque chose. J'ai enregistré la musique de Freedance. Oh. Vous n'aurez qu'à l'écouter à 20h. Et vous serez là-bas avec moi. Oh. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu ressens ? J'en sais rien, je dirais de la modestie. D'habitude, je suis assis en face. J'espère et je rêve que un jour je pourrai être ici. C'est surréaliste, pas vrai ? C'est tellement tranquille. Mais quand la salle est pleine et que la lumière s'éteint à cet instant, j'ai l'impression que le temps se suspend tout d'un coup. Et tu vois, c'est le moment où le silence s'installe dans le théâtre. Et là, qu'importe qu'on soit assis dans la salle ou qu'on soit sur la scène ou dans les coulisses, on est tous là pour la même chose. On attend tous que la magie opère. Qui va danser à Broadway. Salut, il faut que Kayla fasse une interview. Pas plus de 5 minutes, c'est important. Ok, je te donne mon accord pour 5 minutes. Je te rappelle quand t'as un échauffement et tu n'y couperas pas. Je te rappelle que c'est pas mon premier spectacle. Ah, je l'adore. Ça, c'est sûr. Ok, j'arrive tout de suite. D'accord. On se rejoint tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu peux la fixer ici? Oui, bien sûr. C'est Merci. Magnifique. J'adore ces paillettes. Oui. La classe. Je me sens hyper nerveuse. L'estomac noué ou la nausée? L'estomac noué. Alors, tout va bien. C'est vrai? Oh, je vous ai pris un petit truc pour la première. Oh, c'est gentil. Oh. Comme on dit, jamais 203. Il est parfait, ce t-shirt. Et le 3, c'est un porte-bonheur. Vous êtes trop mignonne. Ok, tu peux monter encore? Ouais, c'est bien. Hey, ça va les gars? Super, on répète. Génial, vous allez déchirer ce soir. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. Ok. Kayla a fini son interview? Non, je crois qu'ils n'ont pas terminé. Oh non. Je dois l'avouer, j'en ai toujours rêvé. Je suis tellement contente de partager la scène avec d'aussi bons danseurs. Ça va être génial. Désolé, on a besoin de Kayla maintenant. Tu dois te concentrer et ne penser à rien d'autre qu'à ton rôle, ok? Alors va te changer et fais tes échauffements. D'accord. Allez. Préhende le mouvement du bras et il retombe après. Tu me passes ma jupe? Oui. Tenez, mademoiselle. On y est ravis? Oui, encore merci pour tout. Je sens que ça va marcher. Merci, Ravi. Merci. Allons-y. Ceux qui ont déjà leurs billets, prenez les portes sur la gauche. Pour retirer les billets, c'est sur la droite. Par ici, madame. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon. Je vais me masser la cheville. Ok. Allez, on avance, voilà. Ça va, Kayla? T'es sûre? Merci d'être venu, je suis très touché. Oh, vous êtes là. Est-ce que c'est lui, le producteur? Passez une bonne soirée. Ouais, à tout à l'heure. Bonsoir. Je m'appelle Ava, chanteuse d'opéra. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème. Je t'écoute. C'est ça, il suffit juste de mettre une bande et ça ira. Non, non. Faites venir notre infirmier, s'il vous plaît. Ah. L'infirmier, vite! Il arrive. Bonsoir. Vous pouvez vous occuper d'elle, retirez-lui son chausson. Ok, je regarde tout de suite. Il y
Y a un souci avec Kayla? Ça vous fait mal? Allez, il est temps de vous mettre en place sur scène. Merci. Il va encore enfler. Faut mettre de la glace, tout de suite. On dit à Barlow de se préparer en cas de problème. Oui, et il faut aussi prévenir la doublure de Barlow pour la remplacer dans les ensembles. Ok. Barlow, est-ce que je peux te parler une minute? Il nous faut la robe de Barlow. Elle est là. Génial. Allez, vite, vite, vite. C'est dingue, cette histoire. Oui. Merci, Emma. Merci. Bonsoir. Oksana? Oh, ravie. Toutes mes félicitations. Tu dois être nerveux. Tu veux dire terrifié. Ne t'inquiète pas, j'ai entendu dire que tes danseurs étaient formidables. Tu auras une de tes élèves sur scène? Oui, ma fille en personne. Barlow. Non, tu veux rire, je savais pas. Ça va comme ça? Serrez un peu plus. Xander, je suis prête, ma cheville est bandée. Vous en pensez quoi? Je lui conseillerais de ne pas danser. Écoute, Kayla. Qu'est-ce qu'elle fait dans mon costume? Calme-toi, Kayla. Toute la salle est là pour me voir, moi! J'annonce le changement de distribution. Non! C'est moi qui danserai! Je fais quoi, alors? Je retourne dans les ensembles, ou quoi? Ta doublure est prête, elle te remplace. S'il vous plaît, arrêtez! C'est moi qui décide. Barlow, tu prends le rôle de Kayla. T'as pas le droit de me faire un coup pareil! Mais bien sûr que si, c'est comme ça, je suis désolé, non, c'est trop dangereux que tu danses! Je prendrai pas le risque! Mais tu vois, en place, on va y aller! Kayla, Barlow, écoute bien. Allez, ne te laisse pas atteindre par tout ça, concentre-toi sur ton personnage, c'est tout ce qui compte. Je vais vous demander d'avancer, s'il vous plaît. Le spectacle va commencer. Tout va comme tu veux. Kayla a une entorse. Quoi? Thank you.
C'est tellement injuste. T'es pas du tout sur scène au bout du compte. Il y a plus de peur que de mal. Retournez sur scène, les mecs. Ryan, vas-y, s'il te plaît. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Ça va aller, t'es sûr? Je suis désolée. T'inquiète, Kayla. Barlow, écoute-moi. Les filles vont s'en remettre. Toi, il faut que tu ailles sur scène, ok? Tout de suite.
lost my soul when the curtain dropped. Bleeding colors just can't stop. Close my eyes to the signs. You're my mission. I paid the price for all my sins. Since your open skies let me in. About time I had a new beginning. I'd be a fool to let this moment slip away. Cause I swear I saw my future in your face. Like a masterpiece's color glow. Something more than a beautiful. There's no such thing as close to perfection. Like a masterpiece looking in.